Intitulée Le retour aux origines, l'exposition comprend un pot en céramique peint de la dynastie des Han de l'Ouest, une figurine de chameau aux couleurs de la dynastie des Tang et un bol en verre émaillé blanc de la dynastie des Song. Il s'agit du plus important transfert d'artefacts culturels chinois perdu depuis près de 20 ans. Il montre donc non seulement la coopération entre la Chine et l'Italie, mais également un nouveau modèle de coopération internationale pour le rapatriement des reliques culturelles perdues. La Chine et l'Italie se sont entendus pour le retour des 696 œuvres culturelles chinoises en mars. Ce lot est arrivé à Beijing le 10 avril. Les artefacts ont été trouvés par accident. Ils ont d'abord été remarqués par une unité de carabiniers, la Gendarmerie nationale d'Italie, sur le marché local des enchères en 2007. Le tribunal municipal de Milan a confirmé la propriété du gouvernement chinois sur les artefacts en 2014 et a pris la décision finale de les restituer en novembre dernier. Il s'agit d'une représentation visible et importante de l'amitié entre l'Italie et la Chine. Nous espérons que ce que nous avons accompli viendra un modèle de coopération internationale pour restituer les vestiges culturels perdus. L'exposition se déroulera jusqu'au 30 juin. Il n'y a pas de frais supplémentaires au-delà du tarif habituel pour entrer dans le musée.